Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 23 janvier 2022 et il est déjà 23h19. Quel suspense! Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de Jane Eyre. Il s'agit de la version 96, puisque le film a été de nombreuses fois adapté au cinéma, à la télévision, même en série télé, je crois, dans plein plein de formats. À la base, il s'agit d'un roman, donc de Charlotte Brontë, qui a été adapté plein 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 de fois. Donc là, il s'agit de la version 96 avec William Hurt, Charlotte Gainsbourg, John. Pourquoi tu dis Gainsbourg? Parce que j'ai le nez un peu pris, j'ai mal articulé. Charlotte Gainsbourg? William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Joan Plowright, Anna Paquin et d'autres acteurs. La plus belle Jane Eyre de tous les temps. Un film de Franco Zeffirelli, d'après l'œuvre de Charlotte Brontë. Donc voilà, il s'agit de l'édition 96, donc moi je ne connaissais pas du tout le film. D'ailleurs, avant de connaître Zulu, je ne connaissais pas du tout les œuvres de Jane Austen et de Charlotte Brontë. Deux écrivaines qui ont écrit beaucoup de romans classiques, notamment dans tout ce qui est plutôt romance, et qui ont été de nombreuses fois adaptées, que ce soit en pièces de théâtre, à la télévision, en TV-film, au cinéma, en série télé, et dans plein plein d'œuvres différentes. Donc il y a eu même des adaptations assez particulières. Par exemple, on avait vu il n'y a pas longtemps donc la version Bollywood d'Orgueil et Préjugés, par exemple. On a même vu. Ah, Bollywood, sinon Si, c'est ça pas s'appelle Coup de foudre à Bollywood, donc c'est. oui, mais c'est pas une version mondiale, c'était pas le Oui, titre, mais c'est façon c'était Bollywood. américaine. C'est un film Voilà, américain, mais façon façon Bollywood. Bollywood, oui, c'est bien. Voilà. Et puis on avait vu aussi la version zombie aussi d'Orgueil et Préjugés. Donc ça, c'était du Jane Austen. Mais voilà, Charlotte Brontë a également écrit pas mal d'œuvres, avec souvent dans des époques relativement similaires aux époques que l'on peut voir dans les œuvres de Jane Austen. C'est pour ça d'ailleurs que ces deux écrivains sont souvent associés dans des coffrets, DVD, tout ça. Il est souvent question de romance, de drame, des fois il y a un petit peu de mystère et autres. Donc, parlons un petit peu d'abord de ce film-là qu'on a vu ce soir. Donc c'était la première fois que je le voyais. Zouglou, tu l'avais vu plusieurs fois. Alors, comme c'était un film qui te tenait à cœur, du coup, tu le cherchais en DVD, mais tu cherchais cette version-là et pas une version plus récente ou plus vieille. Parce qu'il y a au moins 5, 6, peut-être même 10 versions différentes au cinéma en DVD. Ouais, c'est comme Emma Oui, l'entremetteuse d'Emma. Elle voulait une version bien comme particulière. Emma, tu voulais la version Emma l'entremetteuse avec Gwyneth Paltrow. Voilà. Et donc finalement, on l'a trouvé, je en reparlerai tout à l'heure en fin de vidéo, mais voilà, on l'avait trouvé un petit peu par hasard sur Facebook. Donc ça nous est arrivé à un moment donné d'acheter pas mal de DVD sur Facebook dans les 1 euro pièce. Et du coup, ça nous a permis de trouver quelques trouvailles, quelques DVD relativement rares et difficiles à trouver, comme celui-ci qui tenait à cœur à Zulut. Et finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé ensemble. Alors, de quoi ça parle? On va déjà lire le petit synopsis qui est au dos. Alors, ils nous disent. Jane Eyre, un film de Franco Zeffirelli, d'après l'œuvre de Charlotte Brontë, avec Charlotte Gainsbourg, William Hurt, Joan Plowright, Anna Paquin, Géraldine Chaplin. Après une enfance triste au pensionnat de Lowood, la jeune orpheline Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward Rochester. Mr. Rochester, homme ombrageux errant dans son immense demeure, ne tarde pas à être sensible au charme de Jane, qui, elle, se sent attirée par ce personnage énigmatique. C'est bientôt une folle passion jusqu'au moment où Jane apprend que son amoureux. Et je ne lirai pas la suite parce que ça spoil. En fait, ça spoil à mort. Donc voilà. Surtout que ça se peut la mort à mort parce que c'est qu'à la fin qu'ils sont. Oui, bah bon, j'ai spoilé un petit peu, mais bon, voilà, j'ai réussi à sauver une intrigue. Le résumé au dos, évitez de lire avant de voir le film parce que ça spoil pas mal. Durée 114 minutes. Français, anglais 2.0, 16 neuvième. Donc nous, on l'a vu en français, doublé en français. Le boîtier est assez simple, Et donc d'ailleurs, la c'est jaquette est assez jolie, ma Charles foi. Gainsbourg qui se double elle-même. Donc là, on voit donc les amoureux et puis on voit le château donc derrière, donc le domaine. Donc la jaquette est assez jolie.
En DVD en France, il existe apparemment deux éditions différentes de ce film-là, avec deux jaquettes différentes, donc celle-ci et une autre jaquette où on voit pareil le couple, mais sur un simple fond noir, et elle est un peu moins sympathique, l'autre version. Du moins ce que j'en ai vu sur Internet. Alors, essayons de résumer un petit peu le film sans spoiler, donc sans spoiler plus que ce qu'on a déjà spoilé en lisant la jaquette, je suis désolé. Donc au début, on découvre donc Jane quand elle était enfant. Donc on la voit au départ donc se chamaillant avec d'autres enfants. Donc c'est une petite Se chamailler, c'est plutôt se faire. se faire chahuter, hein. Se faire un... Ouais, c'est plus les autres qui Qui... sont avec elle. Oui, je n'ai pas le temps encore de. C'est pas du Mais chahut, non, mais c'est pas chahuté ce qu'au vraiment. début, dans les premières secondes, on pourrait croire qu'il se chamaille ou quoi au début. Donc, la première séquence, donc on voit donc Jane qui pourrait se chamailler éventuellement avec des enfants. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et finalement, c'est les instants plus tard que l'on découvre en fait que les autres enfants de la demeure ne sont pas très gentils avec elle et qu'en fait. Elle vit avec la femme du frère de son père, c'est ça? Sa mère. Ou de sa mère. La femme du frère de son père ou de sa mère. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros elle a La perdu veuve du frère de sa mère. la veuve du frère de sa mère. Donc en gros elle a perdu ses parents jeunes, ses parents jeunes. Et du coup la veuve du frère à sa mère, du coup, l'a recueillie et normalement, elle avait juré de s'occuper d'elle. Le problème, c'est qu'évidemment, ça rappelle un petit peu le côté Cendrillon où la fille est assez mal vue et elle va finir très tôt dans un pensionnat. Donc, dès les premières minutes du film, on va retrouver Jane dans un pensionnat où elle va être accueillie assez froidement. Avec pas mal de personnages assez antipathiques. Néanmoins, il va y avoir quand même deux personnages très attachants qui vont apporter quand même beaucoup de soutien et de chaleur à Jane. Une petite fille de son âge, donc. Ah mince, j'ai un trou de mémoire sur le prénom. Comment? Hélène, voilà. Hélène Burns. Et puis il va y avoir aussi donc une adulte, parmi les trois adultes que l'on va voir dans le pensionnat, il y en a une seule qui va être gentille avec les enfants et qui va leur prêter assistance. À mon avis, ça devrait être une ancienne. On ne sait pas trop, mais on pourrait imaginer, comme le disent au glut, que ça pourrait être une ancienne pensionnaire, puisqu'il se trouve que certains pensionnaires, une fois adultes, décident de rester quelques temps pour enseigner et s'occuper des prochains enfants pour leur rendre la vie un peu moins difficile. Donc c'est peut-être ce qu'a décidé cette femme. Et donc bref, donc elle va voir on va découvrir, bon ça va pas durer très longtemps, mais enfin si ça va durer des années pour Jane, mais nous à la télé dans le film ça va pas durer très longtemps, mais ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance quoi. Et là, elle va vivre un drame également, Jane. Donc ça, je ne veux pas spoiler. Mais finalement, après, on va retrouver donc Jane, jeune adulte, qui quitte le pensionnat. Et donc, elle a une offre d'emploi qui a été proposée. Donc, je croyais que c'était sa tante, mais non, c'est une annonce qu'elle avait posée. Par rapport à une annonce, donc elle a une offre d'emploi qui a été proposée. Et il s'agit de s'occuper donc de devenir gouvernante dans un château, dans un domaine, pour s'occuper de la d'une fille. Donc on lui donne pas trop d'informations pour le moment au début. Et lorsqu'elle va arriver sur place, donc elle va découvrir donc plusieurs employés, l'intendante qui lui explique un petit peu comment ça Elle marche. va être bien accueillie. Elle va être très bien, oui, elle va être surprise de l'accueil tout ça parce que elle a eu l'habitude de la discipline et de la dureté du pensionnat. Et du coup, elle va être assez impressionnée par l'accueil chaleureux qui va lui être fait, Jane, ainsi que par la chambre qui lui est attribuée. Donc, vraiment, à travers tous les égards qu'elle a et tout ça, elle n'a pas l'habitude, elle est très, très surprise. Et on lui apprend qu'en fait, le domaine appartient à un maître. Donc, j'y arrive jamais avec les noms. Tu peux me redire le nom? Alors, je sais bien qui s'appelle Edward, mais je sais plus Et le moi. nom. Monsieur Edouard quelque chose, donc Le sèvre, quelque chose.
Rochester, je crois, ouais. Monsieur Rochester, donc Edward, donc je crois que c'est marqué derrière, non? Rochester, c'est ça, Mr. Rochester. Mais il n'a pas Donc, des mains d'argent. que le. Non, il n'a pas des mains d'argent. Donc, Mr. Rochester, donc, le domaine lui appartient, mais il vient pas souvent dans le domaine. Il est très souvent absent et du coup, ça, il manque un petit peu, que ce soit au personnel ou à la fille. Donc, il manque un petit peu et ça, du coup, la maison paraît un petit peu triste, un peu morne, du coup. Donc, Jane va prendre ses marques et elle va s'occuper. Donc, elle va prendre en main l'éducation de la fille, de la petite fille, lui rappelant peut-être comment elle avait pu être à son âge. Elle va lui enseigner les maths, le piano. Donc, elle va bien s'occuper d'elle. Et puis, il va y avoir un moment donné où finalement, Jane va rencontrer ce fameux Mr. Rochester, donc Edward. Et là, évidemment, donc toutes les habitudes de la maison vont être chamboulées. Donc, il va y avoir des invités, des réceptions, enfin, pas mal de choses, ainsi qu'un grand mystère qui pèse sur la maison. Donc, un mystère mystérieux, donc j'en dirai pas plus. En tout cas, ce n'est pas un film fantastique et ce n'est pas un film d'horreur. Donc, je tiens à vous Bah, c'est rassurer. tiré quoi, à un moment donné. Ben oui, ça aurait pu faire penser à un film fantastique ou à un film d'horreur, notamment les fameux hurlements et puis certains événements assez étranges. Donc il se passe des événements étranges, il y a un mystère qui pèse là-dessus, mais il y a également autre chose aussi, il y a aussi le poids des sentiments qui pèse sur le cœur des personnages tels que Jane ou Edward. Et évidemment, tout ça se complique un petit peu. Donc voilà, grosso modo, je n'irai pas plus loin parce que sinon je raconte toute l'histoire, ça serait dommage, mais voilà un petit peu pour mettre dans l'ambiance. Alors on n'est pas dans une époque contemporaine avec des voitures classiques, tout ça, on est plutôt sur une époque... Bah, ils vivent dans des châteaux. Oui, on vit encore dans les châteaux, Les mais... lords et tout ça en Angleterre, là. Avec des lords, tout ça, donc ça se passe quand même en Angleterre, mais je ne sais pas à quel siècle c'est, mais en tout cas c'est... Si à un moment donné, Ils le tu disent étales les dalles sur les tombes, là. Ah oui, il y avait les pierres tombales à un moment donné sur les tombes. Oui, quand à un moment donné, Jane va voir des gens décédés sur les pierres tombales, il y avait des... Il me semble que c'était 1800 quelque chose. Voilà, c'était dans les Ça devait années être dans les années 1800. 1800 quelque chose, ouais. Et le monsieur Edouard, il voyage à dos de cheval. Mais il y a aussi des calèches. Donc voilà, pour situer un petit peu l'époque. En tout cas, voilà, je ne connaissais pas du tout le film. J'avais bien apprécié donc les précédents films un petit peu dans le style que m'avait fait découvrir Zoglut, donc que ce soit du Charles Bronté ou du Jane Austen, j'avais plutôt bien apprécié. Je ne sais pas lequel je classerais au niveau de mes préférences, mais en tout cas celui-ci ferait certainement partir des plus intéressants dans ce style de film-là. D'un bout à l'autre, que ce soit l'histoire, les personnages, même le doublage français. Vraiment très intéressant. Donc, si vous aimez beaucoup les comédies romantiques, avec un petit peu de mystère, un petit peu d'énigme, de réflexion, et avec un petit peu de drame par moment, ce film pourrait vous plaire. En tout cas, très intéressant, une belle adaptation de l'œuvre. Après, je n'ai pas lu les romans de Charles Bronté, Moi non plus. ce qui serait un petit peu dommage parce que je pense que c'est, je rate quelque chose il faudrait que je lise un jour. Mais voilà, donc en tout cas. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fidèle ou pas fidèle au roman, mais en tout cas, le film en lui-même est vraiment très intéressant et vaut le coup d'œil. Donc, si vous aimez bien ce style de film-là, ben, je vous le recommande sans problème. Après, pour le trouver en DVD, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, j'ai ouvert deux fiches Wikipédia, donc une fiche sur Jane Eyre et une fiche sur le Jane Eyre, donc le film en question. On va survoler vite fait. À une rubrique en particulier sur la fiche de Jane Eyre, donc les adaptations cinématographiques. Donc, nous, ce qu'on a en DVD qu'on a vu ce soir, c'est la version de 96. Mais il faut savoir qu'il y a en tout, rien qu'au cinéma, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte 14 versions au cinéma. Après la télévision, il y en a 3. En littérature, il y a plusieurs versions aussi, apparemment. Internet, musique. Alors, du Jane Eyre, donc Jane Eyre, le premier est sorti en 1910 et le dernier en 2011. Donc, il y a eu un film en 1910, en 1914, en 1915, 1921, 1934, 1943. 1943, c'est une version vaudou dans les Antilles avec une histoire de zombies apparemment.
1944, 1961, 1963, 1968, 1970, 1996, donc celui-là, 1997 et 2011. Alors qu'est-ce qu'ils disent pour 96? Outre le fait que Charlotte Gainsbourg y joue le rôle de Jane et William Hurt celui de Rochester, on y retrouve la toute jeune Anna Paquin, future héroïne de la série de films X-Men et de la série True Blood, qui interprète là le rôle de Jane enfant. Oui, si Anna Paquin, ce nom vous dit quelque chose, surtout si vous êtes fan de films de super-héros, il faut savoir que c'est elle qui joue Malicia dans la saga X-Men. Je parle de la trilogie X-Men 1, 2, 3, et puis après, je crois dans certains X-Men, mais pas dans tous. Parce qu'après, ça remontait dans le temps, c'était un peu compliqué à suivre l'histoire X-Men. Mais dans les trois premiers, en tout cas, c'est elle qui joue Malicia. En anglais, dans les comics, parce que c'est vrai que les noms des super-héros ont toujours été traduits en français, francisés. Mais sinon, dans les comics d'origine, elle s'appelle pas Malicia, elle s'appelle Rogue. Mais ça a été traduit en français par Malicia. Mais voilà pour Anna Paquin. Alors, on revient maintenant sur l'affiche de Jane Eyre, donc le film de 96. Jane Eyre est un film franco-italo-américano-britannique de Franco Zeffirelli. Zeffirelli, réalisé en 96, inspiré du roman de Charlotte Brontë. Jane Eyre, le rôle principal est interprété par Charles Gainsbourg. Ce film a reçu le David di Donatello Awards des meilleurs costumes en 96. C'est la première fois que j'entends parler de ce prix. Alors, synopsis, on va peut-être le lire, alors tu m'arrêtes si jamais je risque de dire un truc qui va pas, mais j'ai l'impression que ce synopsis-là ne spoile moins que la jaquette en tout cas. Jane Eyre est une enfant orpheline rejetée par sa tante qui l'a maltraitée et se retrouve dans un pensionnat d'Angleterre, où à l'époque les conditions de vie sont terribles. Elle y passera 10 années de sa vie avant de devenir la préceptrice d'Adèle, la protégée de Mr. Rochester. Oui, Adèle, c'est vrai que ça peut surprendre étant donné que le film est en Angleterre, mais c'est parce que elle a un prénom français, mais c'est parce qu'elle est française dans le film. Et elle vient de Paris. Et du coup, ils ont pris une actrice française pour jouer une française, ce qui est assez logique en soi. Donc, avant de devenir la préceptrice d'Adèle, la protégée de Mr. Rochester, homme mystérieux qui attirera Jane. Alors que tout se passe bien, un terrible secret semble peser sur le château. C'est tout à fait ça. Mais j'aime bien le truc de dire comme ça, un terrible secret, il y a du mystère, tout ça, du suspense. J'ai l'impression d'être un peu dans Amour, Gloire et... ouais, voilà, ou alors Les Feux de l'Amour, un truc comme ça, quoi. Mais en moins drama, quoi. Avec moins de... Enfin, ouais, ça m'amuse. Je suis désolé. Alors, mais moi, je pense à... Parce que Amour, Gloire et Beauté, c'est connu, mais le problème, c'est que moi, j'avais... Les rares fois où je pouvais voir Canal+ en clair quand j'étais plus jeune, parce qu'on captait rarement Canal+ au niveau de l'antenne, mais il y avait des fois des parodies, tout ça, et j'avais vu la parodie que version Canal+, c'était Amour, Gloire et Débat d'idées. Ah oui, c'est complètement bête, mais du coup j'ai ça en tête à chaque fois. Donc, alors, fiche technique, titre original Jane Eyre, réalisateur Franco Zeffirelli, scénario Hugh Whitemore et Franco Zeffirelli. Pays d'origine, France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis. Genre, drame. Ouais, pas tant que ça. Plutôt comédie romantique avec un peu de drame. Durée 112 minutes. Date de sortie, Italie, le 2 février 96. Donc, il est sorti en premier en Italie. États-Unis, 12 avril 96. France, 26 juin 96. Et Royaume-Uni, 27 septembre 96. Casting, Anna Paquin, donc Jane Eyre enfant. Charles Gainsbourg, Jane Eyre adulte. Géraldine Chaplin, Miss Scratchard, William Hurt, Mr. Rochester, Elle Macpherson qui joue Blanche Ingram. Oui, Elle Macpherson, c'est une top modèle célèbre. Elle a joué un petit rôle aussi dans la série Friends. Julianne Fellowes, Colonel Dent, John Plowright, Mrs. Fairfax, Fiona Shaw, Mrs. Reed, Joséphine Serre, Adèle, Amanda Root, Miss Temple, Maria Schneider, Bertha, et Samuel West, St. John Rivers. Alors, il y a plus d'acteurs que ça. Hein. La fiche Wikipédia n'est pas complète. Si on veut vraiment voir la fiche complète, il faut aller sur IMDb. Et là, il y a vraiment tous les noms des acteurs. Il y en a plein qui ne sont pas cités. Hein. Donc, il faudra refaire la fiche Wikipédia, je pense. Après, c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Donc, c'est... Bon, après, il y a d'autres informations plus générales sur la fiche de Jane Eyre. Mais pour la fiche du film, il n'y a que ça comme info.
Alors le DVD, on l'avait acheté sur Facebook dans les 1 euro, quelque chose comme ça, d'occasion. Donc il y avait peut-être quelques traces de doigts ou micro-rayures, mais il est passé nickel. Donc on l'a vu sur l'écran plat dans la chambre, donc avec la PlayStation 4, et impeccable. Il est passé nickel d'un bout à l'autre, donc il n'y a pas eu de problème. Là, le DVD n'est plus commercialisé, donc si vous le cherchez, ça va être compliqué. Donc je vous conseille plutôt d'aller sur de l'occasion et encore regarder sur plein de sites à droite à gauche parce que vous mettez des alertes parce que les prix, même d'occasion, ça reste quand même assez cher. Alors j'ai regardé d'abord sur Amazon, et évidemment, le DVD n'est plus vendu. Il y a d'autres versions que l'on peut trouver des films de d'autres époques, mais il n'y a pas le film de 96 avec Charlotte Gainsbourg et les autres acteurs. Donc celui-là, il n'y est pas. Il est indisponible sur Amazon et il ne sera certainement jamais réédité. J'ai trouvé quelques exemplaires sur Rakuten, en tout cas deux fiches sur les deux éditions différentes apparemment. Alors sur Rakuten, il y a par exemple l'affiche où c'est juste sur fond noir et il n'y a que 4 vendeurs. Ça va d'occasion à 5 euros jusqu'à 9, 24,90. Donc il n'y a pas beaucoup de vendeurs et les prix, c'est un petit peu élevé. La version qui est identique à celle que l'on a, là il y a un peu plus de vendeurs, il y a 26 vendeurs en tout, et ça commence à partir de 3,50 d'occasion, bon état. Après, il faut voir exactement dans quel état c'est, il faut poser des questions aux vendeurs, mais 3,50 € je pense que ça reste un prix correct, si tant est que le DVD fonctionne bien d'un bout à l'autre, qu'il n'y ait pas trop de soucis. Après, il y a plein d'autres sites, je n'ai pas vérifié, mais il y a eBay, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Fnac, etc. Il y a plein de sites, donc après. N'hésitez pas à faire des recherches ou à peut-être sur un coup de chance à cash ou en brocante ou quoi. Mais voilà, donc c'est comme ça donne quelques infos à titre d'idée au niveau de la rareté et des prix qui sont pratiqués. Voilà, donc c'était Jenner, une belle surprise. On se retrouve dans pas longtemps sur les défis sur Hot Wheels, sur Cacahuète Gaming, et puis n'hésitez pas à aller voir aussi mes autres vidéos sur Cacahuète Gaming. J'ai fait des parties ce week-end sur Mortal Kombat 9, sur la 360 et sur un jeu sur MS-DOS, donc Cosmic Adventure, l'épisode 1. Comment? Ouais, j'ai fait jouer à Master System ce week-end, mais non, j'ai pas eu le temps. Ce sera la semaine prochaine. Du coup, ces vidéos que je vous parle, elles sont pas encore sur YouTube, mais elles seront mises tout à l'heure, je pense, dans la soirée. Le temps de les préparer et de les uploader, ça sera mis certainement dans les prochaines heures. Donc, ce sera sur Kakao Gaming. Voilà. Allez, à très bientôt. Bonne fin de week-end, tout le monde. Salut, salut!